Yop, 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 mes loulous, c'est tonton Tomik et je me remets enfin sur du VR, mais ce n'est pas de n'importe quelle manière, c'est-à-dire que c'est déjà sur Emagetel qui a été optimisé par S4 Pro, et puis franchement, de ce que je vois, c'est... Oh, c'est trop fort. C'est trop beau. Et à mes pieds, là vous le voyez pas, mais moi je l'ai, c'est le 3D Rudder. Ouais, je me suis fait ce petit plaisir-là, parce que je pense qu'il a... C'est trop bien. Vous voyez, j'avance mes pieds, je penche mes pieds en avant pour avancer, je vais en arrière pour reculer, normal, je vais sur la gauche pour faire des côtés, des petits trucs sur les côtés, oh, on peut faire des cercles et tout, tcha, tcha. Et pour tourner, il suffit de tourner ses pieds sur leur axe, il y a des quatre pieds donc c'est nickel, c'est parfait, alors... Déplacement, une rotation libre, attitude, fonction de rotation, fichier commande de réinitialisation, vitesse de rotation libre. Ça par contre, je vais baisser un peu. Parce que c'était un peu violent. Voilà, parfait. Oh, c'est génial. On peut même calibrer ça. C'est parfait, c'est parfait. Ok, bah on va se lancer dans l'aventure. Donc je suppose qu'il faut que je prenne ça. Wow. Voilà, c'était comme ça qu'on lançait une mission. Je me rends compte, je me relance pas depuis le début, c'est ça que je m'étais dit avec ça au pied là, ça va être dur de se remettre. En plus je me souviens plus comment mettre les pouvoirs. Rien. Que dalle. Ça va être très chaud. Pas de tuto, rien. Faut que ça me revienne. Et vite. Alors, le sentier qui mène chez Roscoe. Ah ouais, puis on pouvait se créer des pouvoirs et tout. Oh le bordel. Franchement, j'aurais dû recommencer depuis le début. Si je vais là. Juste l'effet buff que ça fait. Et c'est vrai que c'est tellement beau, c'est tellement propre. Je me souviens que c'était carrément aliasé beaucoup plus que ça. Il y avait du flou dégueulasse. Et il n'y a plus rien de tout ça. C'est génial. C'est génial. Bah écoutez, on va dire qu'on va garder ce qu'on a sur nous. Ça doit sûrement pas être trop mal vu que j'ai fini comme ça. Ah, par contre, là, je suis bloqué. Le sentier qui mène chez Roscoe. Alors attends, est-ce que c'est le bon endroit au moins ou pas? Ah parce que là non, on a des portes. Oh là là, il y avait des portails et tout. C'est ouf, je me souviens de rien. Je me souviens de rien. Ah la galère. J'aurais dû me remettre ma propre vidéo. Wow. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je préfère. Oh le décor. Je me remets dedans. D'accord. Et qu'est-ce que je fais? Ouais, ça avait marché. Bon. Je peux pas le tourner? Je peux rien faire? Étonnant. Ah, parce que là, moi, je balance un pouvoir. Et du côté gauche, il y a interaction. Ça n'a pas l'air de marcher. Il y a un truc que je dois... Ah, bah si, si ça se trouve, c'est ça que ça a activé. Je suis con. Faut que je rentre là-dedans, on va le délire. Bon, pour l'instant, je suis pas encore au fait du truc, puis je me demande si je suis pas un peu trop bas. Parce que là, je suis dans un gros fauteuil à l'ancienne. On s'enfonce un petit peu. C'est délirant. Ok. Bon, bah... plus comment changer. Watch. Et ça commence cash. Je faisais comment? Et là, ça tire derrière. Ok, alors attends. Faut que je me fasse au truc. Hein.
Ok, lui c'est bon. J'entends encore tirer, ça vient d'où? De là. Que ça comme pouvoir, ça m'étonne. Oups là, j'entends à gauche. Ah putain, fonce. Tourne. Ouais. Tiens, la vitesse de rotation, j'aurais peut-être dû la mettre plus rapide. Recule, recule. Non, non. Putain, je te tire un foil. On se barrait par là. Boum. Je fonce dedans, je suis con. Je suis pas encore dedans. Ça vient, mais c'est chaud. J'ai eu les deux? Ah non, qu'un seul. Ouais, y'a un gros. Ah putain. Ah, il a bougé le 3D rodeur, hein, ça va pas, il est coincé contre mon canapé. Je m'en doutais. Désolé, on se replace. Oulé. Du monde. Ah ouais. Ils viennent pas vers moi. Ah, qui sont qui est bleu dans les murs. Ouais, il est bloqué dans le mur. Mais... Ah, désolé, mais toi tu vas subir la même. Ah, il s'est protégé. Là non. Oula. Oh non, comment j'ai pu rater? Je crois qu'il est tiré sur son pote en fait. Putain. C'était la bombe. Bordel! Je t'avais pas vu arriver, lui. Ouais, bah, j'aurais dû recommencer vraiment depuis le début. Là, je suis pas bon dans les déplacements. C'était trop chaud, il y avait trop de monde. Au secours, quoi. On va se dire menu principal.
Comment je fais? Ah oui, il faut que je boive. Qu'est-ce que je fais alors? Non? Et pas que je boive? Je vais aller au menu principal. S'il te plaît. Faut le vider. Je sais plus! Je suis perdu! Comment je dois le mettre au-dessus de ma tête? Je dois. Je sais plus du tout. Là, je le mets juste devant ma bouche pour faire comme si je le buvais. Il me semblait que c'était ça le délire. Ah oui, bah oui, c'était ça, mais c'est, je sais pas. J'étais pas assez devant. Bizarre autant qu'étrange. Voilà. Je suis mal installé, ça va pas. Soit trop près, soit trop loin. Non, faut vraiment que je me mette sur une sorte de tabouret, ça sera beaucoup mieux. C'est une nouvelle partie. Allez, hop. Je suis en train de penser que c'était pas une bonne idée de ralentir. Hold a moment, apprentice. Voilà. Let me feel que je le fasse mieux que ça. The floor is rotten here, and it's a long way down if you fall. Oh yes, wouldn't that be terrible? The apple of the master's eye, lost forever in a bottomless pit. So sad. No, Crooks. Jealousy does not become you. Quiet. What was? Les fameux avec leurs bombes. Voilà. J'ai eu à mes dépens. Master! Master, where are you? Master, if you still live, wave so I can see you. Master, there you are. Oh, it's you. Where is the master? Never mind, you don't know. You know nothing. Ah, oh, this is a disaster. I must find him. The mage's friends, I am coming for them. Their world is done. Bah, ciao. Master! Master, where did you... Ah, oh, stupid apprentice! You can't die! The master needs you! Quick! Through the portal! Before you're burned alive! Allez, je me remets dans un peu dans l'histoire. Ouais. Je savais même plus qu'il fallait que j'aille chercher le maître, qui avait été enlevé. Oh, ça fait un bout de temps que je n'y ai pas joué. Mais ça valait le coup d'attendre. Bon, même sur l'ultra-dérodeur, là, j'ai galéré.
Ah, je suis mal positionné, je suis pas assez bien calé. Heureusement, j'ai un bon tabouret, mais bon. Là, je suis posé, et tant pis. Ça attendra. Ah, ouais. Right, the site of the attack. Now. This is not the site of the attack. I went off course. If only the master's friends were here. They'd know what to do. Sadly, I'd know where. On ne peut pas utiliser les options ici. Ça fait suite les sous-titres, mais bon. C'est tellement classe! Wow. Oh. La grosse claque. Bon, alors là, faut pas se planter. Come on, you fat cock. You and me, face to face. Encore bien posé. C'est la main gauche, je sais plus. Oh putain! En fait, le truc, c'est qu'on a du mal à se caler. Je fais des trop grands gestes, quoi. En plus, j'ai vraiment l'impression d'être décalé là, ça va pas. Allez, je resuis un petit peu. Ah ouais, non, mais carrément pas! Je suis pas bien installé du tout. Attendez. C'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça. Voilà, là je suis bien d'équerre. Ouais, c'est mieux. Alors. Stuck already. Oh, that didn't take long. Try a fireball to burn through those rickety boards. First, open your spell palette to examine your laughably minuscule library of cantrips. There. Now hurl your fireball at the boards to burn them down. We're trapped inside some sort of magical barrier. Who's doing this? Was that a goblin? I better show you how to aim your spells. When the little beast shows up, focus on it. Your arcane sight will encircle it. Then throw your spell. Got it? Ah! There it is! Kill it! Focus and throw! When your arcane sight encircles him, throw your spell. Focus and throw. Nickel. And now the barriers have faded. This is some trick of that sorcerer's. I'm sure of it. Trapping us in with his minions so we can't run. Diabolical. Yes. Que je dois faire. Ah bah oui, tout simplement. Oh, you found a mystic ingredient. Et où la grenouille? Ah, elle est trop belle. Just feed it to old Fergus there. He'll send it back to the workshop for later. Ça, je m'en souviens de la grenouille. Ready to use. I won't nibble it or anything.
Ok. Stones, ancient sources of arcane power. Consume enough of those, and you may yet stand a chance. Look, your gem is glowing. Oui, je vois ça. Your right hand. You're ready to ascend to the next level of your training. Touch and hold that star there to start your ascension. Good. Now hold. Voilà. Go ahead, Piccarelli. Alors, taux de recharge. The gloves will make you healthier and harder to kill. Ouais, plutôt taux de recharge. The hourglass will make your spells recharge more quickly. Quite a choice, I know. Nickel. Now revel in your newfound power and let's be on our way. C'est vrai qu'on peut faire aussi comme ça, ça c'est classe aussi. Ok, ok, allez, on arrête de s'exciter, on joue. Oh la vache. Je vous jure, les reflets et tout, là, sur l'eau, sur le sol. Wow, c'est tellement classe. Qu'est-ce qu'ils ont pu améliorer le jeu, là. Ah, franchement, respect. Vous avez tout mon respect, les gars. Allez, ça vient. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ici? Je sais plus. Je trouve que ça allait juste passer. C'est juste un petit décor. Enfin, un gros décor. That's some shoddy construction, isn't it? Ok, cool. Ça a tout arrêté. That you need it, you stone-hearted killer, you. But I found a health potion here. You can drink it now, or you can stick it on your hip for later. To drink it, raise it to your lips. I'm sure you've done that before. To store it, hold it to your hip and release. It'll be there for you until you need it. J'ai l'impression que l'endroit où je voudrais le mettre, c'est super loin, quoi. Non, non. Voilà. Ok, ça roule. Et ça c'est quoi? Des champipouettes? Ok. Très bon. Ça me plaît. Ok, ça pop où? Je t'ai eu. Oups, je l'ai pris ou pas? Non. Putain, je crois à peine. Ok. Wow. Ah, this looks like a very promising treasure chest. You should open it. Un coffre intéressant. The storm decanter. With it, competent apprentices can craft a lightning spell. Let's return to the workshop and give it a try. That way you can fail in private.
The workshop is never more than a gesture away. Hold your hand straight above your head, focus your mind, and you will return there. Go on. Oui, c'est bon. Come on, just hold your hand directly above your head. You know, like you're asking your master to visit your apprentice's room. Ça aussi, c'est bien pensé. Ah, il a plein de bonnes idées, ce jeu. Puis alors là, graphiquement, maintenant, c'est plus la même. C'est vrai que quand The Wizard, il est arrivé pas très loin derrière avec ses qualités, il a fait un peu oublier celui-là. Home sweet home, eh, apprentice? Alors qu'il y a trop de bonnes idées. With the master missing, allez. I suppose it's up to me to teach you how to craft your first spell. Come, my doltish cult, approach... Ok, j'y suis. Alors. First things first. Grab the storm decanter we just recovered and pour it into the cauldron. Le carabe de la tempête. Ah, at last. Bon, tant pis, désolé. You see that the cauldron is crackling with power now. That means our spell is almost ready. Now look at all those little bottles off to your right. Those are Master Alguin's painstakingly catalogued mystic ingredients. They can modify your spell in a myriad of ways. Why not grab one off the shelf and toss it into the cauldron to see what it does? Ok, je prends du verre. Moi, je pense que il me semble que le verre, c'était pas bête. Ooh, pretty! I didn't figure you for the artistic type. Ah, qu'est-ce que tu veux, des fois, ça me vient. Stir it all together and finish your spell. Voila! You've made a lightning gem! Now grasp it and place it in your spell palette. Alors. Maintenant j'ai les deux. Voilà. You can charge it up for greater effect. And if it's fully charged, it'll arc between foes, sizzling whole groups. Ça me plaît, ça. Alguin never let you play with his waystone portal, did he? Well, desperate times call for desperate measures. The rune is set, the portal is activated. Go through to continue on our quest. Et moi ça me gratte la pif. Bon, j'ai retrouvé la manière de faire les sorts, c'est cool. Je savais que c'était pas bien compliqué, mais bon. Si je me sens chaud petit à petit, je reviendrai peut-être dans ma partie en cours, mais pas plus mal de recommencer depuis le début. Allez, on va replacer nos pieds bien correctement. Pas mal. Ok, alors. Encore des champignons, mais je vais peut-être pas me droguer aux champignons tout le temps. On va quand même aller voir ce qu'il y a. J'y crois pas, je suis en train de souffler là. Lol. Délire. Ok. Je vois des trucs encore là-bas. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Attends, il y a quelque chose au milieu là. Mais oui, tout à fait, une potion de vie. Est-ce que je peux la mettre comme ça? Je peux pas en mettre une deuxième à ma ceinture. Surtout, je suis à fond, bah ouais. C'est un peu ballot. Donc, bon, bah on s'en fout. Alors. Je pense que c'est par là. Je vais m'installer, je suis pas en face. Merci pour lui. Alors, bon. Ah non, c'est un passage. Do you think those orbs need to be powered?
Ok, ben on va prendre... Fait de mettre sa main dessus. Ok. Ah d'accord. Il y en a trois. The water rose. I nearly drowned. And so I drank to bring it down. But not enough could I consume. I feared the tide would be my doom. J'avais même now, pas eu, je thanks dis. To you, I'm saved from death. You end my grief. I draw a breath. Melt the ice. Raise the bar. Old cliches will get you far. Ok. Un rocher qui fait de la poésie. Y a pas de souci. On est bien dans le ton. Je m'en doutais. Ça me rappelait quelque chose cette salle. Hopé. Passer au feu. Why has that cursed sorcerer overrun our normally tranquil sewers with his loathsome? C'est gelé ça. Whatever, they are not making this easy. Keep your wits about the ground. Death lurks around every corner. Another thing I can't comprehend. Why did this sorcerer take our master? J'étais même plus en train de dire ce qu'il disait. Not that I wish he had. J'avais pas eu. But I heard if it was me. I know too well how often heroes escape seemingly infallible death traps. It's infuriating. Je suis encore trop en train de penser à mes pieds pour me déplacer. Faut que ça devienne instinctif. Ça le délire. Olé. Ça aussi, ça va devenir instinctif. J'ai encore du mal. C'est les débuts. Je t'avais entendu. En tapitant. Tac, un coffre, qu'est-ce qu'on va se prendre? Super rigide. C'est quoi ça, super rigide? Je sais pas ce que c'est, super rigide. Parce que je le prendrais bien, mais... santé pour l'instant, mais je sais pas ce que c'est que ça. Ça me fait suer, hein. Bon, allez. Je sais pas ce que c'est, on verra bien. Ok, je sais, c'est pas encore bien fluide, hein. Mais c'est vrai que c'est un tel plaisir de retrouver un mouvement libre avec ses mains. Parce que jouer à la manette, ouais, c'est sûr. Tu joues à un FPS, c'est des contracts et tout, mais au niveau immersion, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Et je sens que ça va venir. C'est juste que je suis mal positionné dans ce fauteuil.
En même temps, le tabouret, je l'ai un peu acheté aussi pour être encore plus immergé, mais je suis tellement fatigué, il fait tellement chaud, là. Ça va être pire demain et mercredi. Enfin bon. La chimie, il fait frais. On va profiter de cet instant. What a foul deception. The master thought he was meeting an old friend who had sent a note saying he had found evidence of who was behind the recent attacks. Instead, it was a trap. Je ne m'intéressais plus du tout à ce qu'il disait. Waouh, là, il y a deux passages. Attends, il n'y a pas un truc de planqué là? Non. Allez, ah d'accord, ça recommence cache. Quoi? Qu'est-ce que Allez, je t'ai vu toi. Ah, ça s'est raté. Non, le mur. Ah, fiché. Écoute, hein. C'est pas ça que je voulais. C'est pas ça non plus. Je suis très con. J'ai perdu un petit cœur. Oh, c'était quoi ce bruit? Ouais. Je l'ai dit avant toi. Oh, ça serait peut-être pas le moment de tomber dans le truc. Mais juste la boutanche. Histoire de voir ce qu'elle fait celle-là. La même que tout à l'heure. Ok. Non. Ah, faut faire un petit peu plus. Même Tech Toy en plus. Tant pour moi. Oh là, ça va être chaud avec le 3D Rodeur, ça. What? I can't enter. What is this? Ok. A magic negation. It appears to be have all magic. Non, ça va. That means I won't be able to help you, and you won't be able to cast any spells until you come out the other side of it. Good luck. D'accord, ça disparaît une fois qu'on est rechargé. Je me demandais s'il y avait une quantité qu'on pouvait prendre et puis en garder un petit peu. Mais non, c'était trop demandé. Ah oui, il y avait tout un délire avec les trucs à faire en dessous. Là. Ouais, par contre, on va pas le faire tout de suite. Putain, je suis pas dessus. Hop là, ça tire de là-haut. Pas, hein. Ah, c'est mieux. Où elle est? D'où ça? T'es gonflé, toi. C'est
c'est pas du tout précis, c'est ça qui est chiant. Là-haut, putain de merde! Oh la vache! Je bouge. Bon. Oh putain, juste là. Ok. Ok. Alors. Je pense qu'il faut que j'actionne les manettes. C'était pas comme ça que ça marchait? Ou alors c'est parce qu'il faut que j'actionne déjà la roue. Ok. Nous excitons point. Je peux vraiment rien faire là. Non, ça veut dire qu'il manque quelque chose, il manque une roue. C'est ça le délire. Quand on parle d'une roue... Ça c'est quoi? Attends, 2 secondes. Y'a rien dedans. Allez, de toute façon on n'est pas là pour ça. Ok, donc je pense que là, ça veut dire que je peux actionner ces bidules là maintenant. Non. Si. Faut que je le mette dans les encoches en fait. C'était ça le délire. Stop. Excusez-moi, là, je suis encore décalé. Ça fait chier. Je vois pas grand-chose, mais on dirait que c'est pas mal. C'est pas du tout celui que je voulais, bordel de merde, c'est celui-là. Oh, j'ai du pot. J'ai du pot. Alors, par contre, je sais plus ce que ça avait fait. Si ça avait ouvert la porte là-bas. Ok, nickel. Ah, ça va pas, je suis de nouveau décalé là, j'ai les jambes qui sont pas droites. Ouais. En fait, mon problème, c'est mon sol. Il glisse trop. Il va falloir que je mette un truc qui grippe mieux que ça. Ça arrive de bain ou une connerie dans le style, parce que du coup, à force de speeder dans les bastons, bah ça glisse. Ça glisse. Après je suis plus d'équerre, c'est pas très cool. Après, je suis pas encore hyper confort, hein. On va essayer de finir en beauté cette vidéo. Je crois qu'ici ce serait pas mal. I didn't even know this room existed. I wonder if the master did. Ah, mais il me semble que ici j'avais rien pu faire. Parce que on doit à mon avis actionner nos pouvoirs d'électricité. Mais comme ça se barre vraiment complètement en vrille. Hein.
voyez, là, ça, c'est carrément pas assez long pour que je puisse allumer toutes les orbes. Donc ça, faudra le faire plus tard. Ah, c'est n'importe quoi, ce truc. Moins que ce soit moi qui m'abuse. Si je balance comme en l'air, tu peux. Ah oui, non, je peux rien faire. À moins que j'utilise des fonctionnels. Ah, attendez. Ah, ah. Imaginez, j'ai le trop d'ardeur entre les pattes là. Voilà. Je me le calme bien que ça. Voilà, là, je suis bien centré. C'est bien. Donc, le délire. Ça va être de tourner à 360 degrés. Comment ça, je suis hors de l'espace de jeu? Vous voyez le délire dans l'esprit, c'est ça. Pourquoi je vois plus ma main? Ouais, je pense qu'il va falloir que je me booste mon pouvoir, parce que là, j'y arriverai pas comme ça. Oh putain, j'en étais à 3 là! Faut pas que je charge plus les orbes. Ah si. Et ça s'éteint quasiment tout de suite. Ouais, ouais, ouais. C'est bien ce qui m'avait semblé la première fois. Donc, pour l'instant, c'est peine perdue. Il me semble que des fois il y avait des trucs aussi dans les tonneaux. Oh là. Ça c'était rien. Hop. Tiens la preuve. Il y a même une épée, dis donc. Oh yes. Allez, tiens. Je suis pas en dessous, putain. Une torche. Je peux pas prendre la torche avec la main droite? Pourquoi ça clignote et après ça clignote plus? Parce que je préfère l'épée si tu veux, quoi. Bon, allez, on se barre d'ici. De toute façon, je crois que c'est bon. Ah, attends, il y a encore un tonneau là-bas. Ah, un autre. Et j'ai perdu l'épée. J'y crois pas, elle est juste tombée. À part repop. Va te faire voir. Va te faire voir. Oh, c'est dommage ça. Elle a disparu d'un coup, cette conne. Oh. Je suis pas un guerrier, voilà. Tout est dit. Non, je suis revenu en arrière. Ah bah oui, mais non, mais si, c'est bon. Vu que pour l'instant, je peux rien faire. Je suis fatigué, tonton. Concentre-toi, s'il te plaît. Non. Ça n'a pas fonctionné, ok. Ah. Non, il est encore glissé, j'ai les pieds trop loin. Putain, merde. J'aurais m'arrêter à régler le problème, mais je suis tellement à fond dedans. Pourquoi ça bouge plus? C'est parce que je t'ai soulevé, t'as pas aimé? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vrai qu'il fait des bip-bip.
Ouais, du coup j'avance plus. Alors, attends. On l'a refait comme il avait dit. Faut soulever. Bon, ok. Là je le pose. J'attends. J'entends bip. J'entends pas bip. Tiens, ça veut peut-être dire que The Wizard est retéléchargé. Ok. On repose les pieds. J'entends le bip. C'est bon là? Là, j'ai le casque sur les oreilles, donc j'entends qu'à moitié. Zut. Si, ça y est, c'est reparti. Ah oui, il fallait avoir le pouvoir de gel là-dedans. Oh bah allez. Bon, vous savez quoi, il y a eu partie sauvegardée, je vais m'arrêter là. Et on viendra mieux posé, mieux calé avec... du coup, c'est un test, hein. Maintenant on sait exactement à quoi s'en tenir. Le potentiel est très bon. Le potentiel est très très bon, mais il faut que ça devienne instinctif. Et pour ça, il faut s'entraîner, il n'y a pas à chier. Donc je vous retrouverai sur une autre session. Allez, tchuss !